ça fait réveiller le cœur. C'est ce que j'ai dans la lame. C'est ce que je retrouve au niveau sensation. Alors, le fait d'être équipé d'une blade, c'est très compliqué parce qu'il y a le côté asymétrique à gérer. Le côté droit, c'est différent par rapport au côté gauche, donc je dois faire en sorte d'avoir un côté naturel. C'est souvent ce qui est plus compliqué à gérer. Les conditions météo, elles influencent souvent les blades parce que quand il fait froid, les lames elles mettent plus de temps à se réchauffer. Donc, on doit faire plus de tours de terrain, appuyer plus sur la lame. Quand il fait chaud, il y a quasiment zéro risque. Et la lame, elle est plus dynamique rapidement, sans vraiment faire beaucoup d'échauffement ou de courir. Alors la blade, en termes de sensation, elle m'apporte de l'adhérence, de l'énergie, du dynamisme. Et tout ça, une fois que c'est mis en place, ça me permettra de faire des grands sauts au corps très vite, parce que on va arriver à la même énergie et même puissance par rapport à la jambe valide. En mode 4x4 sur 508 PSE, on a une répartition de couple avant-arrière qui est à 50-50. Sur les revêtements de faible adhérence comme la pluie ou la neige par exemple, la voiture ne va pas avoir de réaction surprenante pour le conducteur. Les conditions d'adhérence ne seront jamais handicap. La confiance que donne cet équilibre va lui permettre de repousser les limites d'utilisation de la voiture, quelle que soit l'adhérence et quelles que soient les conditions. La ceinture de sécurité, c'est important. Mais ça tient très très bien la route pour une question d'adhérence. C'est le maintien, la stabilité, ils ne sont pas accrochés directement. J'adore. Wouh ! Je n'ai plus envie de la laisser. Je vais rentrer à la maison avec. J'ai adoré.